Les chevaux se conforment dès leur naissance à une structure sociale organisée de manière hiérarchique. Pour un poulain, c'est la figure de sa mère qui compte le plus parmi les sujets qui l'entourent. Puis viennent ceux qui, pour diverses raisons, auront un rôle plus ou moins affirmé dans la hiérarchie selon la structure sociale dans laquelle l'animal naît et grandit. La structure hiérarchique et de comportement divergent selon que l'animal est né et a été élevé au box ou bien en liberté. Des différences existent aussi entre les sujets qui vivent dans de grandes hardes de poulains et de juments et ceux qui vivent seuls avec leur mère, un chien et la famille de leur propriétaire. C'est ainsi que les poulains reconnaissent, s'adaptent et se fient aux sujets qui les entourent. Petit à petit, cette relation va s'enrichir de nouveaux éléments, soit d'ordre génétique ou issus des enseignements de la mère, ou bien encore de l'expérience quotidienne. Ce sont les premières bases de ce qui sera le caractère du cheval adulte. Les poulains grandissent et forgent leur caractère en se calquant beaucoup sur le tempérament de leur mère. Si celle-ci a un caractère de meneur, ils apprendront à commander. Si en revanche, ils sont élevés par une jument sans rôle bien défini dans le groupe, il est probable qu'il en soit de même pour eux dans le futur. Lorsqu'une jument est meneuse dans une harde, on la surnomme la jument alpha. Son tempérament, son courage, sa vaillance et la facilité qu'elle peut démontrer dans ses prises de décision et dans sa façon de s'imposer aux autres font d'elle un animal capable de guider le groupe. C'est elle qui va choisir le moment où il faudra emmener la harde à la recherche d'un point d'eau. Elle saura trouver la nourriture nécessaire, de l'ombre et de l'eau fraîche. Elle surveillera le groupe et saura réfréner les poulains rebelles ainsi que les juments dernièrement arrivés. En l'absence d'un étalon, c'est la jument alpha qui protège la harde des dangers ou d'éventuelles agressions de prédateurs. Chacun des poulains de cette jument alpha s'inspire de leur mère. Ainsi, on verra parfois des poulains ou des pouliches chercher à commander au sein de leur harde. Ces derniers oublient la peur grâce à la sécurité que leur inspire leur mère et s'imposent aux autres en imitant son comportement. Ils développent un fort caractère car la proximité de leur mère leur a toujours permis de tout faire, ce qui leur a donné une certaine aisance. Lors d'épreuves ou de courses, un cheval dominant, ou alpha, fait preuve de ce même tempérament. Il ne ressent pas la peur, car il ne l'a jamais connue. Il va refuser une main trop lourde, un cavalier qui ne suit pas le rythme, ou un éperon indélicat. Il ne se fera pas entendre, mais affirmera son mécontentement par une ruade, une volte inattendue, la tension de l'encolure, ou bien en refusant de faire ce qu'on lui demande si cela n'est pas fait correctement. Les animaux alpha ne pardonnent pas les erreurs, car ils sont habitués à ne pas en faire. Cela en fait des chevaux difficiles à monter et à maîtriser pour des cavaliers peu expérimentés. Un débutant ne devra jamais commencer à travailler avec un cheval dominant, car c'est lui qui finirait par être dominé. Ceux qui montent des chevaux alpha doivent savoir que leurs méthodes d'apprentissage et de travail sont très particulières. Ils apprennent beaucoup plus vite que les autres, car ils sont toujours très attentifs et alertes.
Ils exigent moins de pression et de répétition, mais plus de technique. Le dressage est plus rapide et plus simple s'il est effectué correctement. Et cela évite de les voir développer des vices rédhibitoires. Le besoin d'exprimer leur tempérament explique le rejet manifesté face à des répétitions incessantes, car ils s'ennuient très rapidement. Le cavalier qui monte un animal alpha lors de compétition sentira dans ses mains toute l'énergie que le corps et l'entraînement offrent à son cheval, mais surtout le tempérament qui le rend unique et inimitable. La volonté d'être le meilleur, une qualité que l'on ne peut inculquer à aucun cheval. Les membres, les poumons, les muscles et l'encolure des animaux alpha peuvent être semblables à ceux de n'importe quel autre cheval, mais leur tempérament et leur ardeur sont uniques. Ils sont prédisposés à donner plus, à être des meneurs, à montrer le chemin à suivre et à refuser d'être soumis. Il est facile de les repérer lorsqu'ils sont en groupe. Ils se démarqueront d'eux-mêmes avant les autres et feront tout pour attirer notre attention. Si l'on en choisit un, il faudra être préparé, car ce ne sera pas facile. Mais les résultats justifieront tous les efforts. Le cheval est l'un des animaux les plus beaux qui existent. Un mariage fascinant de beauté, de grâce et de puissance qui le rend unique. Chacune des parties de son corps remplit une fonction clé et concourt à améliorer les capacités de l'organisme. L'encolure est au cheval ce que le gouvernail est au bateau. Elle représente à la fois l'équilibre et la légèreté face aux ordres du cavalier. Avant d'acheter ou de monter un cheval que nous ne connaissons pas, on peut aisément déduire la façon dont nous allons le diriger et l'entraîner par la simple observation de son encolure. Nous commencerons par observer l'attache de l'encolure avec la tête. L'espace qui réunit ces deux parties va nous indiquer si le cheval est souple et léger à la main. Plus cet espace sera petit, plus le cheval sera souple et léger à la main. Au contraire, nous pourrons dire d'une encolure qu'elle est épaisse lorsque l'attache démarre du bas des ganaches et se termine plus haut, à l'endroit de la crinière, entre les oreilles. Ce type d'attache donnera plus de force au cheval, qui sera donc plus difficile à diriger et à retenir. Chez certains chevaux qui s'opposent continuellement à leur propriétaire lorsqu'on leur met des rênes, on voit de nouveaux muscles se développer dans cette zone. On verra apparaître de chaque côté de l'encolure une grosseur verticale qui nous indique que l'animal est dur et difficile à diriger. Rappelons que les chevaux sont durs de l'encolure et non de la bouche. La ligne inférieure de l'encolure doit être droite. Les chevaux dont l'encolure a une forme arrondie sont, semble-t-il, plus puissants. Cela se produit parfois chez un animal qui cherche à relever la tête en raison des douleurs ou de la gêne excessive provoquée par les embouchures utilisées. La ligne supérieure de l'encolure doit dessiner une légère convexité ou courbe. Les encolures dont la courbe est trop prononcée indiquent un excès de graisse et de muscles dans cette zone et dénotent un manque de souplesse dans l'allure du cheval. Quand c'est l'inverse qui se produit et que l'on voit des chevaux avec le profil supérieur de l'encolure droit ou même légèrement concave, alors nous sommes face à ce que l'on appelle une encolure renversée. Ces encolures sont semblables à celles des ânes, des zèbres et de nombreux mulets. Ce type d'encolure est un mauvais signe dès lors qu'on imagine le cheval doué de grandes capacités sportives. Il faut tout de suite écarter l'hypothèse selon laquelle ce genre de profil serait dû à une mauvaise alimentation. En ce qui concerne la tâche avec le reste du corps, l'encolure doit avoir dans l'idéal un aspect puissant.
La base de l'encolure devra être bien plantée dans le corps pour donner plus de force au cheval. Certaines personnes n'accordent pas d'importance au volume de crin que compte la crinière sur l'encolure. Mais si la crinière est épaisse, l'encolure est souvent assez large et cela nuit à la plasticité latérale du cheval. Autant que faire se peut, nous chercherons donc des encolures à la crinière soyeuse, soit des chevaux avec une bonne aptitude au virage court et serré. Il est évident que plus l'encolure sera longue, plus grand sera l'effet de levier que nous pourrons exercer avec le bras pour le diriger, étant donné que les rênes sont reliées au mors lui-même, placées dans la bouche. C'est pour cela que nous recherchons des encolures élancées. L'encolure aura donc une forme de triangle, avec de longs profils et une base plus petite. Les encolures courtes, comme celle des ânes par exemple, sont des signes évidents de raideur longitudinale, et les individus concernés auront des difficultés à bien ralentir, car ils ont plus de facilité à résister à notre force. Il est intéressant également de noter que de nombreux chevaux naissent avec des imperfections au niveau de l'encolure, qui ressemblent à de vieilles blessures ou à des brûlures, mais sans cicatrices. On dirait qu'il manque une partie du muscle dans le sens transversal de l'encolure. Bien que ce caprice de la nature puisse paraître très étrange et éveiller des doutes, il s'agit tout simplement d'individus particuliers. Si parfois, au moment d'acheter un cheval, on hésite entre un animal qui présente ce défaut et un autre qui ne l'a pas, il ne faut pas hésiter. Il faut prendre celui qui a cette particularité congénitale, car il courra plus, aura une meilleure faculté d'apprentissage et la détermination nécessaire pour devenir un champion. Quarter Horse, qui fut la première race créée aux États-Unis, est née d'une nécessité. Les pionniers de la conquête de l'Ouest, qui venaient d'arriver sur le nouveau continent, après avoir fui la tyrannie du royaume britannique, se rendirent compte que leurs chevaux anglais étaient adaptés aux travaux paisibles de leur pays d'origine, mais pas à ce nouveau monde. Tandis que les Anglais introduisaient le pur sang anglais aux États-Unis, les Espagnols faisaient de même avec leurs chevaux espagnols, arabes, barbes et turcs. En effet, les premiers chevaux à l'origine de la race Quarter Horse furent importés d'Arabie et de Turquie jusqu'en Amérique du Nord par les explorateurs et les commerçants espagnols. Les étalons choisis furent croisés avec des juments venus d'Angleterre vers 1611. Telle est l'origine de la race Quarter Horse. Ce croisement a vu naître un cheval doté non seulement d'une grande capacité d'accélération, mais aussi d'une puissance lui permettant de transporter de lourdes charges. Il a forgé sa réputation dans les courses de courte distance, d'un quart de mille, d'où son nom. Au fur et à mesure que les colons gagnaient l'Ouest et y bâtissaient leur ranch, la polyvalence du Quarter Horse s'est avérée pour eux indispensable. À l'époque de la conquête des territoires indiens, les pionniers avaient une confiance absolue dans leurs chevaux, aussi bien pour affronter les Indiens que pour rassembler le bétail éparpillé sur plusieurs kilomètres. Plus tard, outre les courses que l'on organisait et qui servaient surtout d'entraînement, sont apparues les épreuves de rodéo, dans lesquelles cette race a démontré, et continue de le faire, d'indéniables qualités. Après la conquête de l'Ouest et en raison de son utilisation pour les travaux des champs, ce cheval noble s'est petit à petit habitué à travailler avec le bétail, à tirer les carrioles, à emmener les enfants à l'école et à transporter les familles. Soucieux de préserver cette race, un groupe d'éleveurs nord-américains et mexicains décida le 15 mars 1940 de fonder l'American Quarter Horse Association, qui est de nos jours la plus importante association d'éleveurs au monde, avec environ 280 000 membres et plus de 2 900 000 chevaux enregistrés à son studbook. Le Quarter Horse est un cheval compact et musclé qui, sur de courtes distances,
peut galoper plus rapidement que n'importe quel autre cheval. C'est un cheval particulièrement adapté aux exercices dits en anaérobie, qui demandent beaucoup de puissance sur des temps très courts, sans pour autant qu'il perde de sa flexibilité et de son agilité. Sa vitesse et sa souplesse s'appuient sur une puissante musculature et sur la position de son centre de gravité, bien plus bas que chez les autres chevaux. On distingue les chevaux de cette race par leur force, leur résistance, leur vivacité, leur taille moyenne et leur masse musculaire bien développée, en particulier dans l'arrière-main. Le profil rectiligne de sa tête, son nez fin, la position de ses yeux, ses larges naseaux, la longueur et la musculature de son encolure, sa taille d'1,50 m en moyenne, sa morphologie bien proportionnée et la qualité de ses sabots ne sont que quelques-unes de ses caractéristiques, mais explique sa polyvalence et sa grande efficacité. Les robes admises du Quarter Horse sont nombreuses, car la gamme de couleurs est vaste. Seules les robes pie, albinos et tachetées ne sont pas acceptées. Le Quarter Horse est surtout connu pour son habileté dans le travail avec le bétail, mais on distingue dans la race les trois sous-classes suivantes. Le Quarter Horse de course, avec une prédisposition pour les pointes de vitesse. Le Quarter Horse de travail, plus bas et plus proche du sol, avec une grande aptitude pour le travail avec le bétail et le reining. Enfin, le Quarter Horse de show, avec des proportions parfaites et des lignes très équilibrées, appréciées des observateurs, même les moins experts. Le Quarter Horse possède à la fois la rapidité de ses ancêtres à sang chaud et l'équilibre de ceux à sang froid. C'est un cheval facile à entraîner et à diriger. Obéissant par nature, il est très sensible et docile. Il est même reconnu pour son intelligence, qui saute aux yeux lorsqu'il rassemble le bétail, car après lui avoir appris comment faire, c'est lui qui décide où et quand il faut tourner. Le Quarter Horse est d'un aspect élégant et robuste. L'harmonie de son allure et la docilité qui le caractérisent font qu'il est considéré comme le cheval le plus versatile au monde. Il participe à de très nombreuses épreuves de travail et se distingue dans de multiples disciplines, plus que toute autre race. Le Western Pleasure, le Reining, le Pole Bending, le Barrel Racing, le Cutting et le Timpenning, entre autres. En outre, le Quarter Horse prend part à de nombreuses autres compétitions équestres. En effet, des vétérinaires qualifiés et des éleveurs reconnus ont affirmé que le cheval de race Quarter Horse était actuellement le cheval le plus accompli que l'on puisse trouver. L'épreuve de fond, ou cross, est une compétition équestre qui fait partie traditionnellement du concours complet d'équitation, anciennement appelé l'épreuve des trois jours. L'épreuve de fond permet de juger, grâce à un système de notation, le niveau d'entraînement d'un cheval ainsi que sa condition physique. On évalue dans le même temps les connaissances et la dextérité du cavalier dans sa façon de diriger son cheval. Le cross est l'épreuve la plus intense et la plus exigeante de toutes les compétitions. Il représente une grande difficulté et le binôme cavalier-cheval doit faire preuve de grandes capacités de récupération, de courage, de force et d'habileté pour franchir les obstacles aussi bien naturels qu'artificiels. L'organisation d'une telle épreuve exige certaines conditions. Avant l'épreuve, tous les chevaux doivent être soumis à des visites vétérinaires afin de déterminer leur état de santé et leurs conditions physiques. Les organisateurs ont le droit et le devoir d'exclure de la compétition tous les chevaux boiteux ou exténués. À son arrivée sur le site du concours, chaque cheval reçoit un numéro d'identification qu'il devra porter tout au long de l'épreuve.
Il est conseillé pour le cavalier de porter une tenue légère. L'usage de la selle anglaise, d'un casque spécial, de bottes hautes et d'un protège-dos est obligatoire. Les éperons doivent être en métal lisse ou en plastique afin de ne pas blesser le cheval. Le parcours de l'épreuve de fond doit se trouver en extérieur et les obstacles peuvent être soit naturels, soit artificiels, en général de grande taille. Ces derniers doivent cependant être fixes et d'apparence imposante. S'il s'agit d'obstacles naturels, ils doivent être renforcés de manière à rester dans le même état durant toute la durée de l'épreuve. Toutes les traversées de plans d'eau doivent avoir un fond ferme et stable. La profondeur de l'eau ne doit jamais dépasser les 35 cm. L'épreuve de fond comporte quatre phases. La phase A, un routier, c'est-à-dire un parcours sur routes et sentiers qui s'effectue normalement au trot ou au galop. La phase B, un parcours de steeple avec des obstacles qui se fait normalement au galop. La phase C, de nouveau un routier sur sentier qui se fait au pas ou au trot. La phase D, le tour de cross-country en lui-même avec obstacles à travers la campagne réalisé normalement au galop. Ces quatre phases sont totalement indépendantes du point de vue du chronométrage. Entre deux phases, le cheval pourra se reposer et se restaurer. Une perte de temps lors d'une phase ne pourra pas être compensée par un gain de temps durant une autre phase. Il existe un temps optimum et un temps limite pour réaliser l'épreuve. Le temps optimum est le temps mis pour couvrir la distance à parcourir à la vitesse choisie. Ce système est comparable à celui du par des parcours de golf. Aucune bonification n'est accordée à un concurrent terminant une phase dans un temps inférieur au temps optimum. Le temps limite équivaut, lui, au double du temps optimum et au-delà de ce temps limite, les concurrents ne seront plus classés. Les cavaliers pourront être disqualifiés si l'on constate des mauvais traitements sur leur cheval. L'on entend par mauvais traitement, monter un cheval exténué, pousser excessivement un cheval visiblement exténué, monter un cheval manifestement boiteux, utiliser de manière excessive la cravache et ou les éperons. Les sanctions pour une faute du cavalier ou une désobéissance du cheval sont établies de la manière suivante. Au premier refus, dérobade ou volte du cheval, 20 points de pénalité. Au deuxième refus, dérobade ou volte du cheval sur le même obstacle, 40 points de pénalité. Au troisième refus, dérobade ou volte du cheval sur le même obstacle, c'est l'élimination. Au quatrième refus, dérobade ou volte, dans la phase D, c'est également l'élimination. Pour la chute d'un cavalier au passage d'un obstacle, c'est l'élimination. La chute du cheval au passage d'un obstacle est elle aussi synonyme d'élimination. C'est le couple cavalier-cheval qui finira l'épreuve dans le temps optimal et avec le moins de points de pénalité qui sera déclaré vainqueur. À la fin de l'épreuve, on procède de nouveau à une visite vétérinaire, en dehors d'éventuels soins immédiats prodigués à un cheval blessé ou exténué. À ce propos, il est important de souligner que le code de conduite de la Fédération équestre internationale attend de toutes les personnes concernées par le sport équestre international qu'elles reconnaissent que le bien-être du cheval doit en tout temps être considéré comme souverain et qu'il ne doit jamais être subordonné à aucune influence commerciale ou de compétition. Pour détecter certains problèmes de santé chez le cheval, il est nécessaire d'en connaître les paramètres physiologiques de base. C'est l'altération de l'un ou de plusieurs de ces paramètres qui va nous indiquer la présence de maladies. On désigne par paramètres physiologiques les éléments suivants : la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, la température rectale, l'hydratation et la coloration des muqueuses.
la fréquence cardiaque du cheval au repos se situe aux alentours de 40 pulsations minute. Une fréquence plus élevée au repos peut être le signe de douleur, de stress, de nervosité ou bien de l'imminence de la mise bas dans le cas d'une jument enceinte. Le premier symptôme évident d'un début de colique chez le cheval est l'augmentation soudaine du rythme cardiaque. Il est possible de déceler cette altération avant de voir la respiration ou le comportement du cheval se modifier. Si à la fin d'un exercice physiquement éprouvant, la fréquence cardiaque ne retrouve pas son rythme normal au bout d'une demi-heure, c'est le signe que le cheval est en manque d'entraînement et qu'il doit être soumis à un examen. On peut mesurer le rythme cardiaque à l'aide d'un stéthoscope. De nos jours, un cardiofréquencemètre placé sur le flanc gauche du cheval facilite cette opération. La fréquence respiratoire se compose de deux mouvements, l'inspiration et l'expiration. Lorsqu'un animal a effectué l'un et l'autre de ces mouvements, on dit qu'il a réalisé un cycle respiratoire. Il faut savoir qu'un cheval adulte au repos peut effectuer jusqu'à 12 cycles respiratoires à la minute. Pour compter les cycles respiratoires, il faut se placer sur le côté du cheval et observer les mouvements de ses côtes. L'altération des cycles respiratoires peut être due à des exercices trop éprouvants, à de fortes chaleurs ou simplement à des problèmes respiratoires. Un cheval qui ressent une forte douleur aura tendance à faire de l'hyperventilation pour mieux supporter la souffrance. Une augmentation du rythme respiratoire peut donc être le signe d'une fatigue ou de douleur. La température rectale normale d'un cheval est de 38 degrés Celsius. Son augmentation peut être provoquée par des processus infectieux. Des températures supérieures à 39 degrés nécessitent l'intervention d'un vétérinaire. Au terme d'une importante activité physique, on peut noter des variations de la température corporelle chez le cheval. Dans ce cas, un examen ultérieur est fortement conseillé, afin de s'assurer que tous les paramètres retrouvent rapidement leur valeur normale. Pour prendre la température, il faut écarter la queue du cheval d'une main et de l'autre introduire dans le rectum au moins la moitié du thermomètre. Il faut attendre quelques minutes s'il s'agit d'un thermomètre à mercure et seulement quelques secondes avec un thermomètre électronique. Le degré d'hydratation d'un cheval se mesure en pinçant avec deux doigts son encolure pour former un pli. Si la peau se retend d'elle-même en moins de 2 secondes, le cheval est bien hydraté. La peau de chevaux déshydratée pour cause de diarrhée, de forte chaleur ou d'efforts excessifs mettra plus de 2 ou 3 secondes à se retendre, selon le degré de déshydratation. Un cheval a d'ailleurs parfois besoin d'être réhydraté. Il existe plusieurs muqueuses explorables chez le cheval. Les gencives et l'intérieur de la bouche, c'est-à-dire la muqueuse buccale. La conjonctive de l'œil. La muqueuse nasale. La muqueuse prépuciale et vulvaire. La muqueuse anale. Celle dont le diagnostic est le plus facile est la muqueuse buccale, car elle est très accessible et assez propre. Il faut en observer la couleur, l'humectation, la sécrétion, l'intégrité et la durée du refil capillaire. La coloration des muqueuses doit être rose. Une muqueuse trop pâle est synonyme d'anémie. Les muqueuses rouges ou congestionnées peuvent révéler une vasodilatation, de la fièvre ou une intoxication. Lorsque les muqueuses présentent une coloration bleuâtre, elles sont dites cyanotiques et trahissent une mauvaise oxygénation chez le cheval.
Il s'agit en général de problèmes cardiaques. Enfin, une coloration jaunâtre des muqueuses peut être observée dans le cas de problèmes hépatiques. Notre intention n'est pas de remplacer le vétérinaire, mais nous pensons qu'il est fondamental de pouvoir, au préalable, lui décrire avec précision certains des symptômes du cheval, afin qu'il puisse établir un premier diagnostic et se présenter ensuite avec les instruments et les médicaments adaptés à la situation. Cela s'avérera, ne l'oublions pas, d'une très grande utilité pour votre cheval. Le dressage des chevaux a pour objectif de les rendre dociles et prêts à recevoir un cavalier en selle. À travers cela, notre objectif est de les faire obéir aux moindres instructions et de les voir disposés à nous satisfaire. Le pas, le trot et le galop doivent s'accorder avec les voltes, les arrêts et les demi-arrêts dans un espace qui, bien que réduit, peut donner lieu à une importante marge d'erreur. Lorsque le cheval est monté, l'arrêt doit se faire droit. Mais si le cheval s'arrête en biais, cela ne pose pas de problème en soi. Le trot et le galop doivent respecter une ligne et une direction. Mais si la précision n'est pas au rendez-vous, c'est sans conséquence. Toutefois, lorsque notre objectif est d'atteler un cheval à un attelage ou à une voiture pour qu'il l'attire ou la pousse, nous devons ajouter à la difficulté du dressage celle d'obtenir les mouvements les plus précis possibles, qu'il s'agisse de volte, d'arrêt ou de reculer. Cela afin d'éviter le risque d'endommager les enclos et les portes, ainsi que les voitures placées le long du parcours. Au début, le dressage sera identique à celui déjà mis en pratique pour les chevaux de selle. Il faudra ainsi toucher les chevaux un peu partout, jusqu'à ce que nos mouvements n'éveillent plus chez eux ni peur, ni appréhension. Nous leur présenterons des cordes, des blousons, ainsi que les harnachements avec lesquels ils devront se familiariser. Nous leur apprendrons aussi à travailler avec une corde, avec de petites pressions sur le licol, dans un enclos circulaire. Une fois parvenus à cela, nous les habituerons à rester attachés. Les chevaux se familiariseront avec les embouchures grâce aux rênes fixes, afin d'apprendre à céder à la pression que cet élément exerce sur leur bouche. Lorsqu'ils auront appris à répondre correctement, nous leur enseignerons à s'arrêter, à tourner, à marcher au pas, à reculer avec les longues rênes, comme cela se fait avec tous les chevaux de selle. Dans ce cas, il faut aussi penser à les habituer aux différents accessoires et harnachements avec lesquels ils devront travailler à l'avenir. Nous leur disposerons un collier autour de l'encolure, qu'il faudra serrer un peu, mais sans exercer trop de pression, avec les deux éléments de bois ou de métal qui s'unissent dans la partie supérieure avec une gaine de cuir. C'est ce que l'on appelle le collier de travail. On trouve de chaque côté du collier un anneau dans lequel il faut faire passer les rênes lorsque nous montons le cheval. Un peu plus haut, sur ce même collier, se trouve un crochet en métal qui servira à accrocher la voiture ou la carriole.
Nous placerons ensuite sur son dos une sellette d'attelage. C'est une petite selle assez différente de la selle classique, qui possède une double sous-ventrière. La première sert à fixer la selle au cheval, la seconde à fixer les boucles de manselle pour éviter qu'elle ne se déplace. Des deux côtés de cette petite selle, on trouve deux anneaux à travers lesquels on passera ensuite les rênes. Au niveau du surdos de l'animal, on fixe une large bande de cuir juste derrière les cuisses du cheval. Il s'agit de l'avaloir. Deux ceintures présentes de chaque côté doivent être fixées à la barre et font office de frein pour l'attelage. Ainsi, le cheval ne se blessera pas les membres quand il s'arrêtera. Pour que l'avaloir reste stable sur le corps de l'animal, on fixera un culeron. C'est un petit élément que l'on passe sous la queue du cheval et qui se positionne comme une boucle. C'est cette pièce qui maintiendra tout l'harnachement en place. Enfin, nous lui enfilerons une têtière avec des œillères. Ces œillères permettent d'éviter que le cheval ne voie les coups de fouet destinés à d'autres chevaux dans un attelage multiple. Si le cheval est seul, on peut passer outre les œillères, mais autant habituer le jeune cheval à tous les éléments qu'il lui sera donné de rencontrer lorsqu'il sera attaché. Les meilleurs chevaux d'attelage doivent être aussi de bonnes montures. En effet, il faudra leur apprendre chaque détail utile à cet exercice et les corriger si nécessaire avant de les atteler. Si nous les contrôlons suffisamment bien quand nous les montons, il ne devrait pas y avoir de problème lorsque le cheval est attelé. Une différence doit être soulignée concernant les chevaux d'attelage et les techniques d'équitation normales. On utilisera le fouet pour les faire démarrer plutôt que la jambe. Une fois l'équipement mis en place, nous ferons travailler l'animal dans un enclos circulaire afin de s'assurer que rien ne le gêne et qu'il se sente à l'aise. Nous lui intimerons le pas et le trot pour qu'il se familiarise avec les bruits du cuir et qu'il s'habitue à ce nouvel harnachement. Si rien ne semble lui poser problème, nous pourrons alors continuer l'entraînement et faire de lui un véritable cheval d'attelage. Le cheval voit le jour dans un univers naturel et de nombreux aspects de notre vie quotidienne lui sont inconnus. Le poulain grandit aux côtés de sa mère et apprend avec elle à réagir aux différentes situations qui se présentent à lui. Il va d'abord se trouver face à des animaux d'autres espèces, parmi lesquels l'homme. Il apprendra grâce à sa mère à les juger dangereux ou pas. Il apprendra à décider s'il doit réagir ou s'il peut jouer. Et il continuera à grandir et à faire l'apprentissage de la vie. En liberté, à la campagne, ou bien enfermé dans un enclos, dans de grandes villes ou en pleine nature. Un jour, il rencontrera un homme qui voudra le dresser et lui fera découvrir son univers en lui présentant les objets qu'il utilise régulièrement. Cet homme tentera de lui faire accepter une selle, un mors, une couverture en hiver ou bien encore la vue d'une veste de couleur.
lorsque nous faisons tout pour que notre cheval n'éprouve aucune peur devant les objets que nous lui montrons, comme s'il s'agissait d'une étape du dressage, on dit qu'on le désensibilise. Et cette sensibilité explique son instinct de fuite. S'il est attaché, il voudra fuir. S'il est sellé, il voudra galoper. Enfin, s'il est libre, il s'éloignera. Il faudra donc lui apprendre à se familiariser avec certains objets. Cela peut se faire de deux manières différentes. Dans un petit enclos fermé, ou bien attaché à un poteau avec une longe. Il faudra d'abord lui présenter tout ce qui nous vient à l'esprit. Par exemple, un blouson qui claque avec le vent, ou un lasso, utilisé pour attraper les veaux. Puis continuer avec une selle légère, des étriers et une sous-ventrière que nous approcherons lentement du cheval, à plusieurs reprises, jusqu'à ce qu'il comprenne que tout cela ne lui fait aucun mal. D'autres dresseurs pratiquent ces exercices de désensibilisation avec un cheval en simple licole et la longe détendue. Avec des chevaux destinés à travailler au contact de personnes handicapées, il faudra particulièrement veiller à ce qu'ils se familiarisent avec un fauteuil roulant, une paire de béquilles. De même, il faudra les préparer à l'éventualité qu'un enfant enlève soudain sa veste parce qu'il a chaud. Si l'on voit que le cheval commence à surmonter ses peurs, il faudra le faire sortir de l'enclos et tenter de répéter l'opération avec chacun des objets déjà utilisés, en le laissant attaché à un poteau, afin qu'il puisse se mouvoir en liberté. Nous lui montrerons d'abord les objets de loin, puis de près, sur le côté gauche, puis sur le côté droit, tout doucement, puis en accélérant la cadence, jusqu'à ce que le cheval les accepte sans avoir peur et sans faire de mouvement. Au cours de l'opération, le cheval peut avoir tendance à s'arc-bouter ou à reculer. S'il est attaché, il peut se blesser au niveau de l'encolure. Certains dresseurs ont recours à un système d'entrave qui bloque un antérieur. Cette méthode est déconseillée car elle est traumatisante et le cheval peut se blesser. Mieux vaut envisager une approche plus progressive et plus douce pour éviter de provoquer des réactions violentes. Chaque animal a un temps d'adaptation qui lui est propre. C'est pourquoi il est indispensable de faire preuve de beaucoup de patience. Grâce à ces techniques, le cheval va s'habituer petit à petit aux objets de notre quotidien. Il pourra de la sorte contrôler ses réactions face à l'inconnu et sera prêt à participer à toutes sortes d'activités. Pour être tout à fait performant, un cheval doit être en parfaite santé physique. Un cheval qui reçoit les aliments nutritifs dont il a besoin sera disposé à réaliser toutes sortes d'activités. L'alimentation est fondamentale, car elle est la base d'un organisme en bonne santé. En revanche, une alimentation excessive est une erreur. C'est un gâchis et de plus, un cheval trop lourd ne peut plus réaliser correctement les exercices qui lui sont demandés. La quantité de nourriture nécessaire à un cheval dépend de son âge, de son état de santé et des efforts auxquels on le soumet. Un cheval jeune et en pleine croissance aura besoin d'une alimentation différente de celle d'un cheval adulte. Et un cheval de loisir aura besoin de moins de nourriture qu'un cheval de compétition. Un cheval doit manger davantage en hiver, afin de maintenir sa chaleur corporelle, même s'il faut veiller à ne pas le suralimenter. Un cheval en liberté mange presque sans discontinuer, en faisant de petites pauses. Pour un cheval à l'écurie, cela est impossible. Idéalement, on lui donnera donc au moins 3 repas par jour. Si le cheval n'est pas soumis à une activité intensive, le rythme peut alors passer à 2 repas par jour, le matin et le soir.
Mais si le cheval fait beaucoup d'efforts durant la journée, il est préférable de lui donner une ration plus importante le soir, car il aura toute la nuit pour digérer et se reposer. Il est recommandé de nourrir les chevaux à horaires réguliers, car ils s'habituent assez vite à un rythme. S'ils attendent trop longtemps leur nourriture, ils peuvent ensuite manger avec une telle voracité que cela pourrait provoquer chez eux de graves troubles digestifs. Il est conseillé d'attendre au moins une heure après qu'un cheval ait mangé avant de le monter, afin qu'il puisse digérer correctement. Pour les concours, modèles et allures, les éleveurs ont tendance à engraisser les chevaux, car à première vue, les chevaux paraissent ainsi plus beaux et leurs défauts sont moins visibles. Pour les êtres humains comme pour les chevaux, une alimentation excessive est dangereuse. Un cheval trop gros porte plus de poids qu'il ne le devrait et sollicite trop ses articulations. Les poumons et le cœur font plus d'efforts pour oxygéner le corps. Tout cela limite considérablement ses capacités physiques. La maigreur, quant à elle, diminue la puissance du cheval. Un cheval trop maigre n'a plus la force nécessaire pour réaliser des efforts. Un cheval sous-alimenté travaille à contre-cœur et sans énergie. Cette faiblesse agit également sur sa volonté de continuer à apprendre. Chez une jument enceinte, le surpoids complique aussi bien la vie quotidienne, avec des articulations gonflées, que la mise bas, car il réduit l'espace dans le canal vaginal. La maigreur est elle aussi problématique, car une jument affamée va d'abord chercher à se nourrir pour sa propre survie. Et un manque de nourriture pour la jument et le fœtus peut provoquer une fausse couche. Des carences nutritionnelles chez une jument d'élevage réduiront sa production de lait et ses poulains seront plus petits et plus faibles. Comment doit-on procéder pour alimenter correctement un cheval ? Il faut d'abord établir son poids de forme. Le secret réside dans l'observation des côtes de l'animal. Chez un cheval dont le poids est normal, les côtes ne se voient pas lorsqu'il est à l'arrêt, mais sont visibles lorsqu'il marche. Un cheval est considéré comme maigre lorsque l'on aperçoit les contours de ses côtes aussi bien à l'arrêt qu'en mouvement. En revanche, si l'on ne distingue ses côtes ni à l'arrêt ni en mouvement, alors on parlera d'un cheval en surpoids. L'obésité existe aussi chez les chevaux. Les chevaux concernés accumulent la graisse principalement au niveau de l'encolure, qui se durcit et perd de sa mobilité. On peut également observer la présence de graisse superflue dans des zones telles que l'attache de la queue, les canons, le dos et la croupe. Au toucher, on éprouve une sensation de rigidité et d'imperfection, qui n'a rien à voir avec l'élasticité de la peau d'un cheval en bonne santé. Même si l'œil d'un spécialiste reste la meilleure des garanties pour faire un pronostic dans des cas plutôt délicats, il est possible pour tous les passionnés d'évaluer, grâce à une bonne observation, l'état général d'un cheval et de détecter d'éventuelles carences.